Comment effectuer un calcul où il y a des additions et des multiplications? Eh bien, nous avons vu dans l'activité que nous devons calculer les multiplications avant les additions. Donc ici, je vais calculer la multiplication 6 fois 7 en premier. Donc 6 fois 7, ça fait 42. Il ne reste plus qu'à calculer l'addition 5 plus 42 et on trouvera 47. Je souligne mon résultat final. C'est fini.